La terre à Maréma. Ah, ça y est, ça s'agite. Oh, ils arrivent. Les mecs, ils sont réveillés à 5h du mat en se disant on va prendre la tonfa et on va éclater la gueule aux mômes qui vont aller faire le carnaval. Les mecs, ils sont payés à ça, quoi. 2000 euros par mois. Bravo, les gars. Même nous, on arrive à la trouver. Apparemment, il y a des CRS un peu de partout, là, des flics. Bon, on se prend un peu dans les quartiers nord de Marseille. Alors qu'en fait, c'est un moment sympathique, bon enfant, et qu'il n'y a pas lieu d'être. Quoi. Il n'y a pas d'autorisation pour le calamantran, c'est une tradition. Moi, ça fait 10 ans que j'habite à la plaine, j'ai vu tous les ans, et voilà. Quoi. Pourquoi pas? Hein? C'est pour protéger votre anonymat des nombreux CRS. Non. C'est carnaval, on se doit d'être autre. Il va nous pousser des plaques et tout, il va nous tomber les cheveux. Oh, c'est terrible si on fait pas carnaval. Pas David Guetta, Ouais, moi je défends Marseille, moi. Pas toucher à Marseille, hein. Moi, Marseille, c'est ma ville, hein. Marseille, tu l'aimes ou tu la quittes, hein. On a invité David Guetta à venir, mais il n'a pas venu, hein. Il n'a pas venu. Finalement, il va pas venir, hein. Finalement, il va pas venir. Les 400 000 de subventions pour Guetta. C'est fini. C'est fini, elle a raison. C'est fini. Elle a raison. Finalement, ils veulent pas quand même dire. Tu vois, ils veulent pas parler avec nous. Ils veulent pas parler. Je m'entends pas. Le maire de Marseille, il a pas envie de parler avec. Un gars, il s'appelle Laurent, il a l'air gentil, hein, il fait des pétitions sur internet. Eh ben, il veut demander pourquoi. C'est normal de demander pourquoi. Eh ben oui. Parce que quand t'es nombreux comme ça, tu peux demander pourquoi t'as le droit. Mais le maire de Marseille, il a dit comme ça. Ben, il a rien dit en fait. Il se tait. Ah ouais. Je sais pas. Il a rien à dire. Stop. Le carnaval indépendant de Marseille et de Noailles et de la Plaine, c'est un carnaval indépendant. Et puis on s'amuse, on fait la fête, hein. Ils nous envoient les 2B, il y a marqué les 2B. C'est des connards en fait. Ils sont de Bastia, c'est les 2B. Non, les fouettes. Les Schmitt. Ça va pas, non, t'as vu comment ils sont, tu crois que je suis quoi, moi? Pas Superman, moi. Il y a les Schmitt. Ni man. Non, moi je m'approche pas. C'est des dernières, ma chapeau, t'as vu? Ici, c'est Spatata. Batman again. Batman, hein. Batman again, hein. Ici, c'est au centre-ville, ici. Madame, ici c'est Zbatata, ici. C'est Zbatata. Ici le résultat, Zbatata. Car c'est chaud. Zbatata, c'est un groupe de rappeurs. C'est ici, c'est à la plaine, ça se passe ici. C'est un groupe de voyous. Et les condés viennent nous faire chier. On est venus, on fait des radars. Il est là.
MP 2013. Parce que MP 2013, ça veut dire expulsion, gentrification, lissage de la ville, nettoyage. Ils veulent nous niquer notre Marseille à nous, avec leur Marseille 2013. Et il faut savoir qu'il y a des gens derrière qui vont pas laisser ça se passer. On va aller niquer Marseille 2013. Hein. Surveillance.
n'êtes pas sans savoir, honorable assemblée, que ces trois têtes concentrent le courroux légitime de l'humble population marseillaise ici. Le ministère public vient quand même à souligner le fait que Maître Marquemont est un avocat nommé d'office. En effet, aucun avocat digne de ce nom n'a voulu se compromettre à défendre une si mauvaise cause. La plaidoirie de la défense. En effet, on s'en fout. Mauvaise foi. Exceptionnelle. Digne d'une véritable campagne électorale. Oh, oh, vous ne m'avez pas parlé. C'est moi qui vous flamme. La première tête. Je me fais forte de l'assommer du boucher, du boucher aussi. Pas de demastre. C'est pas une tête d'âne, c'est pas une tête de cheval. Laissez-la tranquille. Comme ça! Sinon, on s'en sortira pas! On s'en sortira pas, laissez faire! Escalade! On la brûle! La deuxième tête! On la brûle! Pas la bas de l'or qu'on montrait! On caille de comment il faut faire! On la brûle! Vous seriez tous dans la merde! On va accuser à droit une défenseur! Tous un jour ou l'autre, on est passé au tribunal et on était bien content d'avoir un avocat. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez de pouvoir faire la bonne mer en plus panoramique sans mettre un frein. Vous n'avez rien compris. Laissez-le vivre. Vous voyez pas. Il n'y a pas de pitié qui tienne. Lâchez-nous. Il n'y a pas de pitié. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare l'accusé condamné à être décapité.